On voit quelquefois sur leur visage ce rictus, cet envers de sourire que l'on voit aussi sur les têtes des urnes funéraires. Ces urnes où Samuel Beckett enferme pour l'éternité un homme et deux femmes. Mais le jeu n'est pas égal. La femme entretient un rapport particulier avec la mort. Ce n'est pas parce qu'elle est plus courageuse, bien qu'elle le soit, ni plus patiente, bien qu'elle le soit aussi. C'est peut-être parce qu'elle sait qu'elle détient sans orgueil ou sans orgueil une réponse possible.